EDF リニューアブルのオフショアウィンドテクニカルリードでいらっしゃいます、エリザベス・パリックス様と、カントリーマネージャージャパンでいらっしゃいます、ステファン・コンペール様にご登壇いただきます。Bonjour à tous. Elisabeth, peux-tu mettre full time? Ok, next slide. Bien, donc EDF Renouvelable est un leader dans l'éolien offshore au niveau mondial. On a démarré en 2009 en Belgique et nous avons 1,1 gigawatt de commissionnés et nous avons plus de 6 gigawatts en cours de développement. Nous avons une expérience dans les deux technologies, on va dire les technologies fondation fixe et les technologies fondation flottante, avec plus de 2 gigawatts d'installés en construction et plus de 20 wind projects en portefeuille projet. Nous avons des équipes dédiées mondiales, on va dire, sur ces projets, avec plus de 600 personnes travaillant dans le wind offshore. Et nous sommes implantés dans plus de 15 pays en voie de développement. Donc EDF Renouvelable a décidé de s'implanter dans des nouveaux pays pour lesquels on n'avait pas, on va dire, démarré d'activité, donc en particulier au Japon. Nous avons également créé une filiale en Corée et nous créons également une filiale au Japon. Donc aujourd'hui, nous avons un historique très important au niveau du groupe EDF, grâce aux très bonnes relations avec le Japon au niveau du nucléaire. Et nous avons créé donc cette filiale fin juin au Japon pour EDF Renouvelable. Nous avons un plan de recrutement en cours avec du personnel japonais et nous recherchons et travaillons déjà en discussion avec des partenaires japonais pour développer à l'international et au Japon, le wind offshore, mais aussi avec une cible aussi sur l'ammonia vert et le green H2. Next slide, please. Donc, sur cette carte, on voit l'implantation mondiale. Donc, nous sommes dans plus de 20 pays, avec une grosse base, on va dire, en France, aux États-Unis, où nous sommes depuis 20 ans, en Angleterre, mais aussi en Asie, où nous sommes présents en Chine avec des fermes éoliennes avec un partenaire chinois. Nous sommes la seule entreprise étrangère à avoir une ferme éolienne en Chine. Nous avons également une grosse base en Inde. Et donc nous démarrons au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. Nous avons déjà des projets qui sont en démarrage, on va dire, sur le fixe, mais aussi sur le flottant. Alors on ne voit pas, il y a l'Australie également, où nous démarrons également des projets qui n'est pas sur la carte, mais nous sommes positionnés également en Australie. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Elisabeth. Merci Stéphane. Donc, cela fait 10 ans que EDF Renouvelable s'intéresse au flottant. Nous avons Elisabeth, tu es en mute. Tu es en mute. On l'entendait très bien. N'entends pas, Elisabeth. Vous m'entendez? Oui, très bien. Désolée. Donc, merci à tous. Donc, nous regardons À des projets gauche, on t'entend flottants. pas, Elisabeth. J'entends très bien, Madame Palix, vous pouvez continuer. D'accord, merci. Donc, nous regardons des projets depuis, cela fait maintenant 10 ans. Le premier projet était avec une éolienne à axe vertical qui s'est transformée en fait en projet Provence Grand Large que vous voyez en haut à gauche. Donc un projet avec un flotteur en tension. Le deuxième projet que nous regardons activement est le projet de Blyce 2. Sur le site démonstrateur de Blyce, la première phase concernait des GBS flottantes. Et maintenant, nous regardons quatre flotteurs en technologie semi-submersible. Pour les appels d'offres flottants français à venir, nous avons déjà fait une annonce que nous allions travailler avec BW Ideol
sur un concept de barge, donc avec un dumping pool. Je ne vais pas détailler tous les appels d'offres sur lesquels nous travaillons actuellement, mais vous pouvez constater que nous travaillons sur un grand panel à la fois de pays et de profondeur d'eau. Nous travaillons d'ailleurs activement sur un projet en Pacifique, dans des profondeurs d'eau de 1000 mètres. Malheureusement, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas encore vous donner de détails sur ce projet. Ça fait donc aussi 10 ans que nous travaillons sur la recherche pour la technologie flottante. Nous sommes bien entendu partie prenante d'initiatives internationales à travers des GIP qui sont menées par le Carbon Trust ou World Catapult. Nous travaillons aussi avec des GIP français à travers des projets de France Énergie Marine. Et bien entendu, nous travaillons aussi avec nos experts internes et avec le département R&D d'EDF. Alors, le département R&D d'EDF, ça comprend plus de 2000 personnes. Depuis 10 ans, nous avons d'ailleurs développé avec le département R&D d'EDF un logiciel qui s'appelle Diego, qui est en fait un logiciel qui permet de regarder le comportement dynamique de l'ensemble flotteur, turbine et ligne d'ancrage. Donc, l'utilisation de ce logiciel nous permet de faire une évaluation de différents concepts, de regarder des points plus spécifiques, comme par exemple l'effet du mouvement de la turbine sur le productible. Le fait d'avoir ce logiciel et d'avoir accès aux personnes qui l'ont développé nous permettront aussi de regarder d'autres innovations comme des turbines à axe vertical ou des twin rotors. Donc, le travail que nous avons fait sur nos projets pilotes nous a permis en fait de dérisquer pas mal de points clés des projets flottants. Par exemple, l'analyse couplée du flotteur et de la turbine et la performance du coup de la turbine sur un objet flottant. De regarder en fait comment adapter les systèmes d'ancrage par rapport à la connaissance existante venant de l'oil and gas. De regarder aussi l'intégrité à terme des lignes dynamiques, des câbles dynamiques. Et bien entendu, l'installation d'une turbine sur un objet flottant à quai. Pour passer à l'étape commerciale, de grands enjeux sont encore à relever. Bien entendu, l'un d'entre eux sera de diminuer le coût de ces projets pour avoir un FCOE qui se rapproche d'autres technologies du renouvelable. D'autres questions seront à se poser sur notamment la considération des très grandes turbines. On parle de 20 MW ou plus dans le futur. On pourra aussi se poser des questions sur les facteurs de sécurité qui sont utilisés, notamment sur les lignes d'ancrage, qui proviennent de l'expérience de l'oil and gas, mais qui sont peut-être à repenser. Et la fabrication et la logistique d'un très grand nombre d'objets très pesants, de 5 000 à 15 000 tonnes, sera aussi un défi majeur. À noter que sur le projet de Fécamp en France, nous relevons aussi déjà ce défi, puisque nous avons 71 embases gravitaires de 5 000 tonnes chacune à construire sur le yard et à transporter sur le site. L'un des points importants aussi pour les projets éoliens flottants sera la concertation avec les partenaires locaux et notamment avec les pêcheurs. C'est un point qui est très important pour nous. Sur le premier projet français commercial, projet de Saint-Nazaire, nous avons apporté une attention particulière dès le début de ce projet. Et je pense que, à ma connaissance, nous sommes le premier parc. Nous avons créé des couloirs de navigation pour les pêcheurs afin que, pendant la phase de construction, ils puissent traverser le site sans avoir à le contourner et perdre de précieuses heures. Bien entendu, avec les lignes d'ancrage sur un projet flottant, ce défi sera encore différent et d'autres de nouvelles solutions seront à trouver avec les pêcheurs. Donc, EDF Renouvelable a l'intention de participer au développement de l'éolien flottant
au Japon dans les prochaines années. Nous pensons que nous pouvons apporter à des partenaires japonais l'expérience que nous avons gagnée sur les projets fixes, notamment les premiers projets français. Surtout sur ce qui est peut-être particulier pour EDF Renouvelable, c'est notre connaissance de la partie opération et maintenance. Bien entendu aussi notre retour d'expérience sur le site de construction de Provence Grand Large et sur les phases de développement que nous avons fait sur le projet Place 2. Et nous espérons pouvoir, si cela est encore possible, participer à des phases de démonstration ou des projets de recherche avec des partenaires japonais. Bien entendu, nous avons besoin, si nous voulons venir participer à cette grande aventure au Japon, de l'expérience des partenaires japonais sur la connaissance des partenaires locaux, sur bien entendu tout la connaissance locale de la grid connection, de la supply chain, de la logistique portuaire et bien entendu du processus de certification. Alors, je profite de cette dernière slide pour vous dire en fait qu'au moment où nous avons préparé cette présentation, nous venions juste d'installer les 80 fondations du premier projet français de Saint-Nazaire. Et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà installé la moitié des turbines. Ce premier projet est assez innovant dans les types d'installations en fait, que nous avons dû mettre en place. Comme au Japon, les côtes françaises sont particulièrement compliquées en termes de profondeur d'eau qui s'accroissent rapidement, mais aussi au niveau des conditions de sol qui sont très rocheuses ou complexes. Et en bas à droite, vous pouvez voir le site d'assemblage de PGL que vous avez déjà vu dans les précédentes présentations. Je vous remercie beaucoup.